Bonjour tout le monde, ici Caribou Canadien qui vous parle. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Allez, on poursuit l'aventure du jeu Lost in Random, live sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! Ouais, je me souviens de toi, tu t'es déjà parlé, non? Oui, tout à l'heure, Niska, nous avons parlé du roi de ce pays. Vous vous en souvenez? Non, c'est très confus, désolé. Que voulez-vous? Comment la guerre a-t-elle commencé? Ce sont les enfants, les trois héritiers, ils sont... Enfin, il s'est passé quelque chose. L'un des triplés a-t-il assassiné le roi? J'ai entendu du bruit dans ses appareils. J'étais à sa garde du corps, j'ai couru voir ce qui se passait, je croyais qu'il dormait, mais... Bon. Vous avez tant perdu. Désolé, c'est juste que... C'est un tel gâchis, un tel... Pardon, mais j'ai oublié ce que je voulais dire. Bonjour, on se connaît? Vous ne vous souviendrez pas de quelque chose qui pourrait arrêter cette guerre? Désolé, ma mémoire n'est plus aussi bonne qu'avant, je crains. Parfois, j'arrive encore à voir les choses clairement et puis... Pouf, plus rien. Mais parfois, il arrive un objet me ravive la mémoire. Pourrais-tu trouver un tel objet pour moi? Un pour chaque héritier, ça suffirait peut-être pour me rendre la mémoire. Oh, et si tu me rapportes l'arme qui a tué le roi, je suis presque sûr que l'identité de l'assassin me reviendra. Si vous apportez les objets, ça pourrait aider à vous remémorer l'identité de l'assassin. Quoi que tu dis, le roi est mort. Quel malheur, j'étais censé me le protéger, et si seulement je pouvais m'en souvenir. Je vous apporte ces quatre objets, Nishka. Cette plateforme... Je suis censé mettre un garde des voyageurs contre quelque chose. Les voyageurs. Je suis censé dire quelque chose de très, très important. Enfin bon, tant pis, tout ira bien. Pas la peine de s'inquiéter pour ça. Défi du duc. En voyant la facilité avec laquelle Dicey, père, a eu sa grande surprise, un peu de peur de son ami. Comment un être si petit et innocent pouvait-il contenir une telle puissance à l'état brut? Père avait soudain l'impression de porter tout le poids du monde sur les épaules. Parviendrait-elle à élucider le mystère qui entoure la mort du roi? Je sais pas si c'est par là. On dirait.
La seule chose que je peux pas prévoir, c'est le résultat des dés noirs de la reine. Contrairement à la baronne, tu es trop tendre pour traverser seul le champ de bataille. Je vais t'escorter, petit effet, uniquement à un endroit que tu as déjà visité. Tu n'es pas prête pour le reste. Je t'écoute. Où allons-nous? Ça va, il est lent, lui. Le pan des épées, s'il vous plaît. En route pour le pan des épées. Les dents du camp, les dents du duc. Quelqu'un vient de pénétrer dans nos ruines, dans votre château. Je suis sûr que c'est un sinistre pire de ma sœur sanguinaire, la baronne. Mon imbécile de frère se croit tellement supérieur à moi. Il pense pouvoir m'étouffer dans mon sommeil. Mais le camp ne dort que d'un œil. Il ne se laissera pas faire, vous entendez? Ton château des cartes ne s'effondrera jamais si tu construis avec les cartes de Maximilien. C'est là, mon chum. Le camp, je l'adore. Vous aimez le camp est formidable. Le regalus, cet homme n'a vraiment aucun défaut. Tout ce qu'il fait est tellement logique et normal. Quoi de plus normal que de perdre la boule parce que vous avez perdu vos amis imaginaires qui s'appellent Chum? Vous êtes dans le déni, non? Parle-moi de cette peluche. C'est un ami du camp qui vient toujours de disparaître. À vous. Il y a quoi de devenir fou, non? C'est normal, il est normal, c'est normal, tout est normal. Bon, je dois y aller. Si le camp, vous voyez parler, vous pourrez penser que je vous donne des conseils. C'est un génial, bien sûr. J'ai hâte que la reine lance un nouveau sondé pour me battre et peut-être même mourir pour lui. C'est tellement bien, c'est tellement normal. Reculez, reculez, tu ne me prendras pas vivant. Tu ne me prendras pas mort non plus. Thank you.
Bon.
Tu es ici pour me tuer, je me trempe. Tout ça pour vous aider, non, je veux juste... Non, monsieur le comte, je vous souhaite une longue vie. Tu veux m'aider à mourir? Monsieur le comte, je veux vous aider à gagner la guerre. Je veux vous aider à mettre fin à cette guerre. Bah, la guerre, as-tu au moins déjà combattu, fille? Je ne crains rien ni personne. C'est exactement ce que je dirais à un maître assassin. Contrairement à toi, mystérieux intrus, je te bats tous les jours dans ma tête. Appréciez donc, monseigneur. Tes flatteries ne trompent personne. Tu veux que je baisse ma garde pour mieux me tuer? Je ne suis pas un assassin. Alors, même un enfant peut être un assassin. Tout ce que je veux, monsieur le comte, c'est mettre fin à cette guerre. Mettre fin à la guerre? Comment veux-tu mettre fin à une guerre alors que les colosses ont déjà bougé plus d'une fois aujourd'hui? Au contraire, la tension monte. Avez-vous besoin de quelque chose, monsieur le comte? De quoi j'ai besoin? Mais tout, ma garde de corps est mort. Le cours de la guerre n'arrête pas de s'inverser. Et pour couronner le tout, le camp Shum a été kidnappé. La guerre n'est pas à votre avantage. Qui est le camp Shum? Troisième du Nord, oui, ma méchante soeur, la cruelle baronne me l'a volé. Shmoo est comme un fils pour moi. Je n'ai pas fermé l'œil depuis sa disparition. Rapporte-le-moi et je te ferai une récompense. Qu'en dis-tu? Votre garde du corps est mort? Mishka, la seule personne en qui j'avais confiance, à part mon père. Elle a disparu précédemment, mais tu n'es pas de taille à remplacer. Tu n'es qu'une enfant. Pas où est Mishka? Je l'ai rencontrée, elle va pas très bien. Oui, elle protégeait toute la famille, elle était formidable. En tout cas, c'est ce que je croyais jusqu'à ce que, ou qu'elle ait laissé d'entre nous, pas moi bien sûr, assassiner mon père. Savez-vous où se trouve l'arme du crime? Bien sûr, tu te doutes bien que j'ai suivi ça de près. Elle a disparu, mon petit doigt m'a dit qu'elle est coincée dans la tête d'un colosse brisé qui appartenait à mon père. On doit prendre la poussière quelque part sous le champ de bataille, pourquoi? Quelqu'un voulait-il se servir? M'assassiner? Vous savez quoi? Oui. Les imbéciles. Je les savais venir de loin à cette terre. C'est les amateurismes purs et simples. Mishka, votre garde du corps, est toujours en vie. Pourquoi ne pas venir le voir avec moi? Même si elle est encore en vie, cela laisserait mon domaine sans défense et je rendrais vulnérable à une tentative d'assassinat. Jamais de la vie. Très bien, alors. Très bien, nous avons un accord. Trouve ma peluche et en échange, je te donnerai... Quel est votre... Quel est votre précieux souvenir? C'est quoi? Très bien, je te le donne. De toute façon, il me donne la chair de poule. C'est un petit doigt noir comme la nuit trouvé sur la scène du meurtre de mon père. Il est à toi si tu veux rapporter Shmoo. Alors, je conclue. Le comte était un drôle d'oiseau, de paranoïque. En prime. Mais père s'était malgré tout rapproché de son but, rendre la mémoire de Mishka, peut-être avec un peu de chance. Mettre un terme à la guerre des trois royaumes.
Amis citoyens, compatriotes, mangez de la brioche, car le vainqueur de jeu n'est autre que... le duc. I've got cars to trade. Don't you want to follow suit? I know you do. Poor Even. You still don't know how to say what you want. Toutes mes excuses, Majesté. Mais le chef a oublié votre gâteau dans le four. Votre goûter a brûlé. Un gâteau flambé. Mais c'est délicieusement décadent. Je le veux. Sire, il est carbonisé. C'est une chance extraordinaire. L'occasion rêvée de découvrir une nouvelle saveur. Comme c'est amusant. Dites au chef de me servir pour dîner. S'il refuse, tuez-le. Puis tuez-vous. Oui, sire. Le duc avait du style, c'était indéniable, les horreurs de la guerre. Il y a parfois éruption dans les petits membres créés par le duc. S'il avait conscience, il n'en laisserait jamais rien paraître. Que garde à vous, la baronne remporte le jet, gloire son règne. Et à ses lois. Toi, je t'autorise à approcher. Bonjour, moi c'est Père. Non, c'est inacceptable. Tu t'adresses à un duc, petit, un peu de respect.
Hors de ma vue, il ne revient pas avant d'avoir appris les bonnes manières. Moi, je pensais que tu es bien loin de chez toi, non? Salut. Ah non, petit, ce n'est pas ainsi que ça s'adresse à une personne de mon rang. En ce royaume, lorsque tu rencontres une personne d'un statut social plus élevé que le tien, tu dois toujours commencer par « Je vous demande pardon, monsieur ou madame. » Je vous demande pardon, monsieur ou madame. Très bien, petite. Et maintenant, file. Regarde-toi, tu imagines même une travailleuse non qualifiée. Une petite ramoneuse, peut-être. J'aimerais que le duc arrête. Allons, allons, mon enfant. Tu ne peux pas t'adresser à la noblesse. Tu dois nous montrer un peu ton respect. Par exemple, il serait bon que tu t'appelles très chère madame et que tu t'adresses au duc en utilisant votre majesté impériale, souveraine légitime de trois royaumes. Si tu n'emploies pas le bon titre, personne ne te répondra. C'est une simple question de respect. Merci, très chère madame. Mais de rien, jeune demoiselle. Enchanté de te faire connaissance, mon enfant. Regarde-toi un peu, mon enfant. Mais tu es vêtu des guenilles, ma parole. Qui es-tu? Viens-tu faire ici? J'aimerais demander l'audience au duc. Non, mon enfant, ce n'est pas ainsi qu'on se présente, voyant. Tu dois toujours commencer par faire une révérence. Comme ça? Oh non, grand Dieu, non. Encore à toi de léger hochement de terre. C'est encore mieux quand tu, une dame s'incline juste au sol et redresse la tête comme un petit oiseau. Regarde comme ceci. C'est absolument merveilleux. Perfectly wonderful. Bien, je t'écoute. Que voulais-tu me dire? Pouvez-vous m'apprendre d'autres règles de bienveillance? Oh, heavens, yes, bien sûr, je pourrais, cependant, j'en sais rien. Je suis bien trop important pour jouer la presse auprès d'une petite fille. Bon. Ok, on va voir si ça marche. Je te les ai approchés. Yes. Oui. Je vous demande pardon. Et donc, votre majesté impériale souveraine légiste de Trois-Yo. Je suis père, la lanceuse de dés, vous. Je suis père du Nimbourg, lanceuse de dés, princesse. Pardonnez-moi de me présenter avec humilité et respect, je m'appelle père. Et tu voudrais peut-être que je daigne répondre à une formule de politesse aussi bas en cave? Alors de ma vue, fillette, et bien quand tu seras capable de t'adresser correctement à sa majesté impériale, c'est-à-dire moi. Alors, ma vie ne revient pas avant d'avoir appris les bonnes manières. Bon. You may approach. Oui. Bon. Yes. Je vous demande pardon. Permettez-moi de me présenter avec humilité et respect, je m'appelle père. Bien, très bien. Enfin, un peu de respect, chien. Super. Well met, Lady Even. What brings you to the Quel bon vent t'amène à la présence du duc, un seul et unique souverain légitime des trois royaumes.
Vous me demandez plus, Uniska? Notre ancien garde du corps? Que dire qu'il n'a pas déjà été dit? Elle était chargée de nous protéger, elle a échoué et mon père a payé le prix. J'ignore ce qu'elle est devenue, elle est morte depuis longtemps, j'imagine. Elle est toujours en vie. Pensez-vous que vous lui manqueriez? Je manque à tous ceux qui posent des yeux sur ma glorieuse personne, peut-être. Elle est toujours en vie, accepteriez-vous de lui rendre visite? Vraiment étonnant, je lui enverrai bien un gâteau, mais je ne peux raisonnablement pas le permettre. Et il y a le va de soi que je ne peux pas quitter le château, je refuse de confronter mes sujets ont l'honneur de la guerre. Pourriez-vous me donner un objet que je pourrais lui montrer pour lui rafraîchir la mémoire? Non, c'est hors de question, je connais à peine rien. Je prouve qu'elle est vraiment en vie. And we've just become acquainted. Non, c'est hors de question. Je ne connais pas assez. Cela dit... D'accord. Dans mon infinie sagesse, j'ai décidé de t'accorder une faveur. Je te remettrai un objet précieux si seulement tu me rends un petit service. Je te remets un objet précieux. Quoi donc? Tu as sans doute remarqué ma beauté et mon port de tête royale. Je possède un portrait, vois-tu? J'ai figuré mon père, donc j'étais l'enfant favori, néanmoins le portrait est incomplet. Lorsque nous sommes partagés les terres après la mort de mon père, le comte s'est emparé du nostalgium royal. Je suis sûr que l'autre moitié du portrait s'y trouve. C'est la preuve que j'étais le favori de mon père. Rapporte-le-moi et je te récompenserai. J'ai d'autres questions. Vous vivez maintenant de cette manière? Comment voudrais-je que je vive? Comme un roturier? Les roturiers ne manquent pas, mais moi, je suis unique. Je dois à mon peuple d'être le meilleur moi possible. Passe-moi les bonbons, veux-tu? Comment est mort votre père? Eh bien, ce n'est pas moi qui l'ai tué. Je l'ai trouvé, l'arme du crime toujours plantée dans un corps. Où est passée l'arme du crime? Tu sais comment c'est, certains objets ont une vie propre. C'est une métaphore, bien sûr, enfin, je crois. L'un de mes adorables espions m'a rapporté qu'elle est coincée dans la tête du robot de mon père. C'est une machine énorme, bestiale, mais je crains fort qu'elle ne soit plus un tas de ferraille aujourd'hui. C'est vous qui êtes la Choum, la peluche du camp? Choum, la peluche du camp? Grand Dieu, qu'avons-nous donc bien pu en faire? La baronne l'a propulsée dans notre territoire il y a quelques lunes sans raison apparente. Le comte l'a accusé de lui avoir volé sa peluche. Oui, ça m'étonne pas d'elle, ni de lui d'ailleurs. Mais ça doit l'en trouver lors d'un exercice militaire. Je pensais que ça déstabiliserait peut-être même au point de nous offrir la victoire, mais non, au contraire, il est devenu plus bruyant que jamais. Je l'entends parfois, tu sais, même dans la salle de la musique. Ah oui, ça me revient maintenant. Quand j'ai compris qu'il n'avait aucune utilité, je l'ai fait jeter dans la cave du château. Le château est en ruine à présent depuis longtemps, remplacé par un champ de bataille, mais le sous-sol est peut-être encore intact. Si tu le trouves, je te le laisse volontiers. Qu'irais-tu faire un objet aussi banal? Je ne sais même pas où trouve ces caves. Dans ce cas, il finira à dévrer par des verres, ce qui ne me dérange absolument pas. Reprenons un peu de gâteau. Que me donneriez-vous si je fais sortir Choumva de domaine? Rien, il est signifiant, petit. Si tu veux le salir, les mains avec lui, c'est ton problème. Pour ma part, j'aime autant salir mes armes Zogus, mais avec du glaçage au fromage. Pouvez-vous me redire où se trouve le portail, s'il vous plaît?
Dans le nostalgie, sous les terres du camp. Je suis sûr que c'est là que mon vaurien frère le garde. C'est la preuve que j'étais l'enfant préféré de mon père. Comment est mort votre père? Well, I didn't kill. Eh bien, ce n'est pas moi, c'est Jodine. Quelle impertinence! Non, c'est impossible! J'ai trouvé l'assassin. L'un de mes adorables espions m'a rapporté qu'elle est coincée dans la tête du robot. Ok, vas-y, j'ai tout lu ça. Indique à créature bronze dans l'unique but dans le vide, ouvrir une porte. Merci pour la clé. Bits are off. Deals here. A new get your deals here. Many dicks, Esquire. Life never goes the way you expect, does it? All the whim of a dice roll. Ça, c'est pas là qui était là. Bits are off when you've got a new card from old Manny Dix, Esquire. Dear mate, let's trade cards. Sometimes I feel like it's my sole purpose in life. Thank you.
Bon. Excellent. Des pièces du puzzle. On l'a combiné dans son autre moitié pour pouvoir savoir plus sur le passé des triplés. To get an invincibility potion, are you? Well, you've come to the wrong place. I've got cards, though. Du temps, père, et je n'aime pas vraiment ce que je vois. Nous avons un accord sur Bruni. C'est vrai, oui, mais tu serais mieux de te dépêcher, le petit commence à avoir froid. C'est vrai, oui, mais tu ferais mieux de te pêcher le petit commun sans avoir froid. Très bien, le temps presse, jeune fille.
Contrairement à la baronne, tu es trop tendre pour traverser seul le champ de bataille. Je vais t'escorter petit, mais uniquement dans les endroits que tu devrais déjà visiter. Tu n'es pas prêt pour le reste. Tu t'écoutes, où allons-nous? Je prends des épées, s'il vous plaît. Here, card enthusiast and living store at your service. Bon, c'était tout pour l'aventure du jeu Lost in Random Life sur la chaîne du Caribou canadien. Oh yeah!